Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste fortement baissière hein, puisque nous avons vu hier ici une cassure des 4810 points et si nous passons ici en intraday alors nous constatons déjà une ouverture sur un gap baissier aujourd'hui et si on passe en intraday ici en unité de temps 4 heures eh bien on peut constater ici que cette zone des 4810 a fait office de résistance hein, sur la dernière bougie de cotation ici. Donc nous sommes ici dans une perspective de retour sur la zone des 4738 points, zone qui serait une zone de danger puisqu'en cas de rupture de celle-ci, eh bien, on irait explorer de nouveaux points bas significatifs avec une zone de support, prochaine zone de support qui est quantifiée à 4659 points. Donc on reste ici dans une dynamique plutôt baissière, donc qui avait été impulsée ici par la phase de baisse que nous avions connue durant le mois d'octobre, on va dire. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur une configuration donc qui reste baissière, hein, on le voit avec un MACD ici qui continue à évoluer de manière négative. La dynamique de sortie ici de la zone de survente est totalement interrompue puisque l'on se dirige désormais vers cette même zone. Toutefois, le RSI reste neutre actuellement avec une légère prédominance baissière. Donc par rapport à la configuration technique, ce qu'il va falloir surveiller ici, c'est l'éventuel contact sur la zone des 4738 points. De deux choses l'une, soit on a ici un cours qui reste sur cette zone, voire même qui rebondit, auquel cas on pourra avoir ici une configuration de double rebond ici sur cette zone, donc sur rupture ici de celle-ci, on pourrait avoir une impulsion haussière. Par contre, je vous avoue que ce scénario est très fragile. Dès qu'on aura ici une rupture de cette zone, eh bien l'objectif sera donc les 4659 points. Donc ça sera vraiment le niveau à surveiller. Là, d'un point de vue haussier, il faudrait vraiment repasser au-delà des 4897 points pour espérer quelque chose en termes de rebond, puisque là, tant que l'on est sous cette zone, eh bien tous les signaux sont plutôt baissiers pour les perspectives d'évolution future. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. Alors aujourd'hui, en termes de statistiques, nous aurons à 10h, nous aurons les chiffres du climat des affaires en Allemagne, donc le chiffre IFO. Et puis ensuite, cet après-midi, nous aurons les chiffres de l'immobilier du côté des États-Unis qui seront dévoilés à 14h30. Voilà donc pour aujourd'hui, passez de bons trades, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.